Bonjour tout le monde. Je suis réveillée depuis à peu près 5 heures du matin. De temps en temps, j'emmène mon chéri à la gare et depuis, j'ai pas réussi à me rendormir. Donc je scrolle. Et à partir du moment où t'as commencé soit à regarder un peu les réseaux, soit des vidéos, soit quoi, c'est terminé, c'est impossible de te rendormir. Tout ça pour dire que je vous emmène dans une journée avec moi. J'espère que ça va vous plaire, évidemment. Une journée dans ma vie d'entrepreneur. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type de format sans prise de tête où on va pouvoir papoter aussi de plein de sujets, je sais pas encore quoi, mais ce qui viendra évidemment. Je vais essayer de me lever là, il est 8h30. J'ai honte, mais vraiment j'ai honte de pas m'être couchée, de pas avoir dormi, de pas avoir récupéré, parce que j'ai passé déjà un week-end qui était assez fatigant. Bonjour. Bon, je suis dure le matin, moi je suis tranquille. Comme je vous l'ai dit, j'avais du monde à la maison ce week-end, donc je vais faire un petit peu de rangement, comme ça je vais me sentir un peu plus à l'aise à la maison. J'aurais dû faire ça hier, mais franchement non, fallait dormir hier. Du coup, quitte à faire le ménage, autant le faire en étant bien accompagnée. Donc j'écoute ce matin un podcast avec deux personnes que j'aime énormément. Christian Junot, qui est coach sur l'argent, sur la relation à l'argent, et je n'ai pas assez écouté ce monsieur. Lui, il travaille pas sur comment tu dois l'investir, sur comment tu dois faire pour épargner ou ce genre de choses. Il va pas t'enseigner comment te rendre plus riche, il va t'enseigner comment te sentir mieux dans ta relation à l'argent. Et il est interviewé par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui moi m'a lancé dans le podcast, entre guillemets, hein, qui m'a donné envie de faire des podcasts. C'est Fab Florent, voilà, Fabrice Florent. Relation à l'argent, c'est il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça, c'est la croyance numéro 1 que je peux travailler pratiquement avec tout le groupe. Quand j'ai un groupe, c'est exceptionnel qu'il y en ait un qui n'ait pas cette croyance-là. Je viens de là, moi, tu vois, je viens du Nord. Mon grand-père qui travaillait à l'usine, mon arrière-grand-père dans les mines, enfin, tu vois, c'est... Ouais, mais c'est ça. Forcément, quoi, tu vois. No pain, no gain. Il y a beaucoup de trucs, tu vois, c'est ça, tout à fait. Mais et en même temps, c'est aussi important de voir, c'est que je prends l'exemple de mes grands-parents. L'histoire que je me raconte des fois pour ne pas donner parce qu'il y a une pierre à côté de lui ou je sais pas quoi, que j'ai pas eu fini de ça, c'est dit. Juste, je précise, les brocolis, c'est pas au menu tous les matins. C'est juste que là, c'est des restes. J'ai vraiment pas envie que ça se perde. Et en plus, c'est vraiment très très bon, donc ça me dérange pas. Et en ce moment, je préfère soit ne rien manger le matin, ou juste boire mes jus verts, ou alors manger salé le matin. Donc voilà. Mais clairement, c'est pas tous les jours. Hein. Non. Mais je veux pas que ça se perde. Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Entrepreneur Sacré. Je suis Laura Cardozo, votre hôte, et j'ai grand plaisir à vous parler aujourd'hui de foi dans votre entreprise. Si tu es entrepreneur ou si les sujets comme la spiritualité, le bien-être, le lifestyle dans ta vie en général ou dans ta vie d'entrepreneur t'intéressent, alors tu es arrivé, je sais pas si je dois faire la liaison, tu es arrivé au bon endroit, tu es sur le bon podcast, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Talking way too loud, and if you don't like the sound, you could just tune it out.
who you rooting for? They say whatever team that'll win. I say cool, cause it's gonna be whichever one I'm in. Yeah, I'm good like that. Yeah, I'm good like that. Who you rooting for? They say whatever team that'll win. I say cool, cause it's gonna be whichever one. Oh oui bébé. Aujourd'hui on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin et je vais passer ma journée évidemment à travailler et ma soirée seule. Voilà, c'est une honte après 11 ans de couple. Mais bref, c'est comme ça. Je vais en profiter pour vraiment passer la soirée pour moi et pour en faire ma soirée de Saint-Valentin à moi, pour moi, rien que ça. Donc je vous emmène avec moi dans cette journée. Après ce week-end, je ressens que j'ai besoin de faire une pause, qu'on avait du monde à la maison. Oui, Moïcha, oui, oh, ça c'est de là. J'avais vraiment besoin de faire une grosse pause. Maintenant, les batteries sont relativement rechargées pour faire la suite. C'est le principe hein, d'avoir vraiment... Ce métier d'entrepreneur, bah, c'est de pouvoir organiser votre temps comme vous le pouvez, comme vous le voulez, et de vous autoriser aussi des phases où vous ne suivez pas votre routine à la lettre. Des moments où vous acceptez de ne pas faire ces petites choses qui au quotidien vous font du bien pour les remplacer par autre chose. Vous acceptez que peut-être certains jours vous êtes plus dans le rush, plus dans le travail que d'autres. On se retrouve une fois de plus dans la cuisine. Je devrais aller me laver puisque je reviens du sport. Mais j'ai trop faim, donc on va se faire un bon bowl avec plein de bonnes choses dedans. Il faut absolument que je vous raconte ce qui s'est passé. Il est 16h au moment où je vous parle et en fait ça fait que 20-30 minutes que j'ai commencé le boulot. Pourquoi ? Parce que donc après m'être préparée, avoir pris ma douche, j'ai voulu me mettre à travailler. J'ai besoin de mon disque dur externe et en le branchant, que ce soit sur cet ordinateur ou celui-là, ça ne fonctionnait pas. Ça a duré honnêtement plus d'une demi-heure à faire des tests en tout cas. Très vite j'ai senti l'angoisse monter puisque dans mon disque dur externe il y a tous mes documents administratifs importants vis-à-vis de l'entreprise, tous mes bilans comptables, toutes mes photos, tous les extraits, toutes les prises de vue, toutes les vidéos que j'ai pu faire ces derniers mois. Bref, il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Et puis surtout, je me voyais mal faire sans, en fait. Voilà, j'avais pas envie, je comprenais pas d'où venait le problème, je me sentais impuissante. Et pendant tout ce processus où j'ai pu faire vraiment l'exploration de ça, je me suis rendu compte que mon corps était en train de réagir, mes émotions étaient en train de monter très très vite à mesure que je me répétais constamment le même dialogue. Aujourd'hui, ces pensées qui me sont venues, d'ailleurs j'ai pris le temps quand même de les noter sur un post-it, ces pensées qui me sont venues, je les connais, je les reconnais, c'est celles que j'ai à chaque fois qu'il m'arrive une galère dans mon entreprise, à chaque fois que ça fonctionne pas comme je voudrais, à chaque fois qu'il y a une embûche, je reviens naturellement à ces pensées-là. Tout le monde fonctionne comme ça, donc je voulais te mettre ce message-là aujourd'hui pour te dire que c'est normal que des épreuves, entre guillemets, arrivent. Maintenant, si j'étais restée comme ça dans mon émotion et que j'étais restée dans ces pensées, que je les avais entretenues, je pense que j'y serais encore. J'ai eu un moment donné, parce que ce sont des pensées que je connais, j'ai eu un moment donné ce truc de me dire « Attends, ça ce sont tes pensées habituelles, t'es pas en train de te brancher en mode solution, t'es en train de jouer ta victime là, t'es en train de croire à la fatalité, t'es en train de faire quelque chose là qui... n'est pas ce que tu désires pour la suite. »
cet éclat de conscience à un moment donné, de ok, on prend du recul, parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que je retombe dans mes schémas, je retombe dans mes habitudes, je retombe dans des émotions et dans des systèmes de pensée qui ne me servent pas. Et le mindset, le travail de ton mindset, c'est ça. Ce qu'on vient faire en coaching, c'est identifier ces pensées pour que au moment où ça te revienne, au moment où tu te retrouves dans une situation qui active ton système nerveux, qui active tes pensées, qui active tes émotions, tu aies un instant de lucidité où tu te dises « Je peux choisir de faire les choses autrement, je peux respirer, je peux me brancher solution, je peux essayer de voir comment faire autrement en fait, comment je peux aller au-delà de mes habitudes de pensée, au-delà de mes habitudes émotionnelles et les dépasser pour trouver des solutions. » Ce que j'ai fini par faire, puisque Internet reste quand même notre meilleur ami, et j'ai pu trouver des solutions qui m'ont aidé à faire en sorte que mon disque dur externe soit reconnu par les deux machines et que ça fonctionne. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Le coaching, c'est pas juste faire en sorte que ça aille mieux pour pouvoir manifester à l'intérieur. C'est les pensées que tu portes à l'intérieur de toi, elles vont conditionner tes actions. C'est pas juste je veux penser de façon plus positive pour pouvoir manifester enfin les choses. Non, c'est pour que dans tes actions concrètes, dans ta vie concrète, tu ne partes pas dans tous les sens, tu ne partes pas en agitation complète, en stress complet, en mal-être complet, quand il t'arrive ce genre de problématique et que tu puisses te recentrer sur l'essentiel, que tu puisses non pas garder la tête froide, mais prendre du recul sur les émotions que tu es en train de vivre. Moi, bien sûr, mon rôle aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'avais envie cet après-midi et ce soir de m'offrir mon moment à moi, ma Saint-Valentin à moi-même, pour moi-même, de me célébrer moi-même. Et tu vois, je ressens beaucoup d'émotions aujourd'hui et je pense que je vais avoir besoin et envie de travailler sur ces quatre phrases, de me faire peut-être un petit rituel pour les remettre quelque part à l'univers ou une part de moi qui est en capacité de les guérir et peut-être me faire un petit rituel pour m'éloigner de ça, parce que je me rends bien compte que penser comme ça ne m'appartient pas ou que ça ne me sert pas, que ça ne sert pas mes plus grands intérêts. Voilà à quoi sert le travail profond qu'on fait en coaching, qu'on fasse en one-one, qu'on fasse en groupe. On le fait pour être capable à un moment donné de dire ça c'est non, ça c'est stop, ça n'est plus la vie que je désire, c'est pas grave que ça arrive, c'est ok, c'est normal, je m'aime quand même, mais je désire fonctionner autrement. Et parce que tu vas fonctionner autrement, tu vas avoir de nouveaux résultats, tu vas avoir de nouvelles expériences dans ton business et tu vas avoir certainement beaucoup plus de résultats aussi.
On se retrouve dans mon endroit préféré pour clôturer ce vlog. Vous aurez, je pense, vu que dans ce vlog, j'ai eu besoin de casser un petit peu avec ma routine. Bien sûr, je vous ai pas tout montré parce que tout n'est pas intéressant et c'est pour ça que je continue pas, parce que la journée qui s'annonce risque d'être du genre un peu de ménage, monter ce vlog, refaire d'autres montages, écrire la prochaine vidéo, faire du coaching. Il y a des choses qui peuvent vous intéresser, mais tout ne peut pas vous intéresser et j'ai aussi besoin de repos. Il faut savoir que quand on filme, pour rendre les choses plus dynamiques, etc., on change souvent les points de vue. Bref, on essaye de trouver des idées de plans, etc. Et c'est très énergivore. Et aujourd'hui, j'ai pas envie. Voilà. Tout simplement, on va être vraiment très très honnête, j'ai pas forcément envie. Je pense que j'ai réussi à vous donner des choses intéressantes à regarder et c'est tout ce qui compte. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui, j'espère vraiment que je vais réussir à la faire parce que j'aurai peut-être pas beaucoup de temps pour le faire, mais vraiment une vidéo assez complète avec un sujet qui me tient à cœur. Donc j'ai hâte de vous retrouver, ce sera un format un petit peu différent. Et là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon votre heure de visionnage. Et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos ou à me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao!